Salut tout le monde, ici Snake Tooth de retour avec Tekken 8. D'où Jésus, on est de retour. Ben oui, effectivement, le DLC Histoire tant attendu est sorti. Nous allons le tester tout de suite. On fête aussi la sortie d'Eiichi Mishima sur le jeu qui n'est bien sûr pas mort. Qui y a cru une seule seconde? En tout cas, moi, je ne faisais pas partie de la bande du fan club Eiichi est mort. Raven, tu as encore eu tort. Sans plus attendre, on va se lancer dans ce DLC Histoire qui promet d'être complètement épique. Oui, on n'a pas peur d'être spoilé. Cela dit, j'espère que vous êtes en train d'apprécier ma nouvelle sortie de la chronologie Tekken. Je la ressors, on la ping-pong un peu plus qu'avant. Le même traitement, la chronologie Castlevania aura le même traitement. Et puis je réfléchirai ensuite aux chronologies suivantes. J'aimerais bien faire Street Fighter, Mortal Kombat, quoique Mortal Kombat risque d'être un peu compliqué. Mais why not? Sans plus attendre, on se lance dans l'histoire. Je pense que le chapitre 1, on va jouer notre cher petit Eddie. Si je ne m'abuse. Éclair et foudre. Oh damn, Kazuya! Ah, c'est Eddie qui s'est fait déglinguer. Ah ouais. Il n'a pas pu se venger, le pauvre Eddie. Ben oui, Kazuya a tué son père. Et depuis Tekken 3, Eddie essaye de se venger de Kazuya. Ah, surtout depuis Tekken 4, où il a appris que Kazuya était encore vivant. Il a la coupe à la Michael B. Jordan. Yoshimitsu, qui n'a vraiment rien à faire là, mais c'est le mec le plus cool de la pièce. Todo bem. C'est le qui a le plus cool du Brasil. The Rebel Army's flying boat is inbound. Après les combats, il va manger de la pastel de nata. Sim, não posso decepcionar a Lydia. Devo a ela minha vida. Bem. Donc Lydia, elle est en train de. Não importam os desafios do caminho. As pessoas sempre se recuperam, né? Temps restant dans l'opération éclair de moi. Il se passe quoi? Est-ce que ça se passe avant? Est-ce que ça se passe avant le mode histoire? Après le mode histoire? Pendant le mode histoire? Ouviu certo. Todos estão prontos para pagar pelos pecados que cometeram. Ah, il ramène des gens de la Tekken Force. Lars, il y a vraiment. On n'a pas le temps, Lars. On n'a pas le temps. Alors, j'ai jamais joué Eddie parce que je l'ai pas acheté. Ok, il a l'air très très simple à utiliser, c'est une dinguerie. C'est une dinguerie à quel point il est facile à utiliser ce type. Ouais. Ok, aussi simple que ça les gars. Qui le tient en haute estime? Jin! Wow, oh putain! Il nous a fait une Eiichi! Il est tellement stylé là! Voilà, tiens! Je vais spammer les gars, je vais pas me priver! Alors, je joue Eddie de la seule façon possible, c'est-à-dire en appuyant sur n'importe quoi! Mais la même chose peut être dite de Lars. Ok, voilà, je me souviens encore de quelques bases de Tekken 3. Le perso interdit dans les tournois entre amis. Ok, cool. Ainda precisamos de mais aliados se quisermos vencer. Oh, Jin, c'est la première fois qu'ils se rencontrent depuis les événements Tekken 6. Un peu compliqué, leur relation. Sashiburi dana. Eiji. Da última vez que conversamos, você me falou da morte do meu mestre.
Les vieilles cinématiques, hein, pas mal. Ouais, genre, on va se battre avec Eddie contre Jin, et genre, Eddie, ouais, ça va, genre. Oh, la musique. Oh, la musique de Tekken 6. Allez. Oh, pas mal. Pas mal. Ouh, les vieilles cinématiques. Wow. Ah, il a v'là la vie à Jin. Bah, bah, c'est Jin. Oh oh. Oh oh. Oh oh, il m'a feinté. Il m'a feinté, l'enfoiré. J'ai pas l'habitude de me ramasser les coups de Jin. J'ai l'habitude de les faire. Ok. Allez. Ah, oh, genre, eh, ça va, je peux même pas lui faire de prise, c'est quoi ça? Wow! Oh oh! Yay! Pas sûr que ça tue, hein! J'adore ce truc spécial! Tellement brésilien! Ah ouais, ça a suffi à tuer, je pense! Ouais. Eddie, il est vraiment en mode philosophe hein, dans Tekken 8, c'est incroyable. Bon bah, sans rancune, hein. As pessoas sempre se recuperam. Estas são as palavras da pessoa que mudou minha vida. Você pode mudar também, Jin. Nice. Vamos lutar pelo futuro. Je te pardonne de m'avoir obligé à tuer des milliers de personnes, Jin. T'es un chic chip finalement. Oh, Polish Air Force. Polonia Force. Nenhum obrigado, Lydia. Você sabe mesmo como deixar seus homens de mão banando. Ed desligando. O quê? Oh! Droga, eu vou pra lá agora mesmo. Et donc c'est pendant les événements du jeu principal, du mode histoire principal. Ok. Est-ce qu'on aura des nouvelles de June? Est-ce qu'on va voir quand June se réveille? C'est ça qui m'intéresse le plus, finalement. Remnant dogs of the Mishima Zaibatsu. Any last words? Attention les missiles. On va se battre contre les soldats de la G-Corp. Oh là là, c'est un remix de la musique d'intro de Tekken 3, c'est incroyable. Oh, le remix. J'aime beaucoup musicalement ce qu'ils sont en train de faire pour l'instant. Allez, au suivant. Ils sont vraiment nuls. Allez, j'essaye un peu sans le style spécial. Hé hé hé, raté. Hey. Je savais pas. Brisez les chocs, vous. Vous êtes pas comme Jin. Reviens ici. Petit con. Damn, bah, il est fort, hein. Il est fort. Il est assez fun à jouer, dit un jeu. Je peux pas vous mentir. Je vais pas vous mentir. Oh, incroyable.
Ah ouais, genre le jobber parfait, les Jack quoi. Les jobbers par excellence. Ah, lui il s'est brisé les chocs. Mais son giga faible. Allez, next. Allez, bye. Oh. Next. Encore. Allez, next. Voilà, facile les gars, facile. Ah, ils avaient pas envoyé grand monde, hein. Attends, c'est une zone de guerre. Uniquement 3 Jack. Bon, après, c'est vrai que c'est cher. Jean, Nina, toujours là, elle doit pas être, toujours allié avec ceux qu'il faut pas. Eddie Gordo. Nina, você está com a G-Corp? Ah, c'est vrai qu'ils étaient associés, hein, dans la Mishima Zaibatsu. Ouais. Ok. Wow. Oh. Battle de shop et je l'ai clairement perdu. Oh. Oh! J'allais dire, la grosse triche. Oh, oh. Ça m'énerve. Ils deviennent genre... Ouais, moi par contre, les chops, je me les mange. Hein. Pas de problème. Oh, mais tu vas arrêter. Elle s'écrit dans Dead by Degrees. Voilà, t'as eu assez. Tu vas fuir, comme d'habitude. Deuxième round. Finalmente achei meu local de trabalho ideal. Fight. Voilà. Bam. Bam. Oh. Attention, attention, attention les jeunes. Oh. Tiens, oh là là, ça c'était beau ça. Ouh. Voilà. Bim. Et bim. Encore vivante. Tiens. Acabou, Nina. Achei que seu lema era fazer apenas o que te pagam pra fazer. You know me so well. Ouais, voilà. Elle est en mode, ouais, allez, je te rends service, je te laisse aller pour cette fois. Ah, pas mal tout ça. Oh, ils sont tous crevés. Pessoal, attention. Vous avez tous échoué, caralho. Jamais vão desaparecer. Mas não importam os desafios do caminho. As pessoas sempre se recuperam. Espero que todos me acompanhem nessa jornada. E para todos portugueses, para ajudar aqueles que precisam. Là, Brian Fury se ramène avec une sulfateuse et tout le monde va mourir. Ah, quel connasse, ben, on n'est pas très loin de la vérité. Hein. Ah putain, ouais, ben, en fait j'étais pas très loin de la vérité. Pourré. Oh putain de merde. Oh putain, il va tous les sauver. Oh, doux Jésus! Eddie est le goat qu'il pense être, les gars! Mais vraiment! Tu m'étonnes que tu l'appelles capitaine!
Non, il est pas mort, il va sortir des flammes. J'ai survécu aux flammes grâce à la capoeira. Ouais, il est vraiment en train de le faire. Il l'a fait. Il est le GOAT qu'il pensait, c'est incroyable. Il a éteint les flammes avec la capoeira, mais oui. Incroyable, les gars. Ça, c'est le Tekken que j'aime. Ça, c'est le Tekken que j'adore. Com a força Tekken da América do Sul. Mas uma coisa me chamou a atenção no banco de dados de lá. Acho que você já sabe. Les moines Mishima. Sobre os monges Tekken, eliminando os restos da Mishima Zaibatsu. Intéressant. À suivre dans le chapitre 2. Qu'on va jouer tout de suite, hein. On va essayer de se faire les 8 chapitres du DLC d'un coup. On est déjà au chapitre 3. Nasz honor, rencontre nasza inattendu. Ojczyzna i nasz świat. Niesprawiedliwa władza miesza z błotem wszystko, co mi drogie. Le Shimizu, c'est un peu le daron ici, hein. Earning her the moniker, the warrior prime minister, and gratitude from people worldwide. World leaders have praised her courage and ability, and stated that... Oh. Lidio, nie pozwól, by śmierć twojego ojca poszła na marne. Ból odczuwany w lewym oku to ból twojego narodu. Nie możesz paść na kolana przed niesprawiedliwą władzą. Nie byliśmy w stanie powstrzymać szaleństwo Kazuyi Mishimy. T'inquiète pas, Ginela. Mais bon, ça vous savez pas encore. Lydia, naquele dia em que eu estava pronto para morrer, suas palavras me salvaram. J'adore le portugais, c'est une trop belle langue. Nieważne jakie trudności stoją przed ludźmi, zawsze mogą wstać z kolan. Isso também é por nossos camaradas da Força Tech. É por isso que nós podemos resistir. Oficier du vieux rapport. Dziękuję wam wszystkim. We're reaching the rendezvous point with the target. Ouais, donc ça c'est, ouais, c'est pendant le mode histoire, avant le tournoi. Oh, petit combat contre Reina. Oh, Reina. Mais on sait que t'es de mèche avec Keiichi, Reina. En même temps, c'est ton papounet, on peut pas t'en vouloir. Mishima Heihachi kara no tegami. Yondan desu yo ne. Donc Lydia est au courant que Yeshi était vivant. To musi oznaczać, że jesteś. Yep. Mais qui est ta mère? C'est ça la question qui brûle les lèvres de tout le monde. Ah, j'ai hâte d'essayer Lydia parce que je l'ai pas acheté, hein. J'ai pas acheté ce perso DLC, mais je sais qu'elle se bat du karaté. J'aime beaucoup. Et j'ai jamais testé le perso ici. Oh, Reina, tu vas calmer, ma grosse. Ah. Ouais. Je vais un peu tester sur le skill spécial d'abord. Très joli. Très très joli. Très très joli. Et alors, on peut voir un petit peu. Oh oh, mauvais moment. Okay. Oh wow, stylé de ouf. Ok. Ok, attendez. Coup spécial. Et qu'est-ce que ça nous amène ce coup spécial?
Oh, ça va passer. Au nom de tous les Polonais, incroyable. Incroyable. Ah ouais, carrément, son nom. Ah ouais, c'est tellement stylé. Voilà, t'as eu assez, Reina, hein. T'as voulu tester, t'as testé, hein. Ça, ma grosse. Oh, ça y est, ils sont là, c'est les moines. C'est les moines Mishima. Ils vont nous amener à Ayashi. Les moines Tekken. Ok, on va combattre contre des moines Tekken lambda. Enfin, lambda, s'ils savent vraiment faire des électric fists. Des électric une god fist, c'est quand même incroyable. Ouh, oui, c'est un moine lambda, effectivement. Des moines lambda, on va devoir tous les affronter. Pas de problème. Ouais, c'est bien eux. Allez, go, hein. J'ai hâte de voir. Bah, ils se battent sûrement à la Yashi, non ? Ouais. Hey ! Damn ! Oh! Oh, nouvelle stance! Incroyable! Incroyable! Allez, next! Next, hein. Allez! C'est tout? Non, encore? Ok, encore. Oh, le hop kick! Ça, c'est du Yashi tout craché. Hein. Oh, bien. Voilà! Il est en train de faire du grain Galidia ou je rêve? Ils ont encore des bâtards Mishima? Comment ça se passe? Et ça, c'est fort quand même, vu la mainmise de la Zaibatsu sur le monde entier. Pour rester caché à Ale mnich powiedział też, że poszukiwali znakomitego wojownika. On dirait qu'elle a le logo Umbrella sur sa veste. Le petit pins là, les gars. C'est incroyable. Lydia, tu nous cacherais pas des choses? Czyli moje zadanie to skontaktować się z nimi i odkryć ich tożsamość. Tekinin da to omotta no de na. Jōhōryō toshite wa datō da ro. Ouais, ouais. Fais jamais rien gratuitement, Reina. Kitai shite masu yo. Switch de personnalité en une milliseconde. Jisha-gun no jōhō wa hikitsuzuki ookuri shimasu ne. Ah, c'est Mishima, tous des malades mentaux. Ok, c'était bien fun. Elle est assez drôle à jouer, Lydia, je dois l'avouer. Chapitre 4, on a déjà la moitié, les moines Tekken. Ah bah, nous y voilà, on est tous arrivés au temple. Putain, Yoshimitsu. Yoshimitsu, le meilleur. Shinji-sama.
Dziadku, pokażę światu, jak używać siły w sprawiedliwy sposób. Przyjmuję każde wyzwanie. Us! Os! Seiryu. Ah ouais, ouais, c'est qui ce Seiryu? Le dragon Seiryu. Ouais, plus de porte encore. Ses épaules font la taille de ma tête. Oh, doux Jésus, c'est un rhinocéros, le gars. Damn! Incroyable. Holy crap! Bon, bah, let's go! Delikatność triumfuje nad siłą. Ciało i dusza. Ale. Gotowa. Musimy ginąć, chłop. Siemę się na jui. O, il s'est mis de la santé, l'enfoiré. Ok. Ah, moi aussi. Oh. Ouais, il est fort, hein. Il est fort, l'enfoiré. Bon. Arrêtons maintenant un petit peu les combos automatiques. Oh, putain, c'est un Mishima. Ouh, Tenny Combo, je rêve. Il m'a fait voler en l'air, le mec, c'est un truc de fou. C'est un truc de fou, le mec. Oh oh, oh, c'est game over, ça. Damn, quelle puissance. Ah, je vais recommencer. Ok, je vais carrément recommencer et je vais utiliser les combos automatiques. J'ai envie d'aller un peu en freestyle. Ouais, ouais, allons-y. Voilà, allons-y, allons voir un petit peu. Voilà, voilà, voyons voir un peu. Voyons voir un peu sur les combos automatiques ce que ça donne. Oh. Bien essayé. Oh, il va me le mettre. Oh, il va me le mettre, le petit combo incroyable. Je vole en l'air. Non, chier. Coup de hit. Ah oui, Dia, très sympa, je veux dire. Oh oh, à chaque fois ce putain de kick, hein. Bam, y'a quoi maintenant? Hey, voilà, ça c'est beau. La revanche. Ouais, heureusement, elle est pas rancunière. Oh oh. Combat de l'esprit et du corps. Je pense pas que Lydia est du genre à céder face à l'injustice. Ouh, une projection de Kazuya. Ah, de Jésus, il va nous mettre une mandale. Imię mojego ojca, mojego kraju oraz mojego honoru przysięgam, że nie ustąpię niesprawiedliwości. Ça c'est bien dit, ma grosse. Let's go. Fight. Oh. Kazuya Mishi. Yeah.
Allez! Oh, mais ils partent tous, cet enfoiré! Voilà, ça passera pas, mon gars. Non. Non. Allez. Il laisse pas le temps. Bien, bien. Oui, bien sûr, ça c'est complètement scripté. Complètement giga scripté. Shadow Kazuya, c'est quand même incroyable. Losy nowego świata są w twoich rękach. W tamtym dniu złożyłam dziadkowi obietnicę, że będę promieniem nadziei dla tych, którym jej brakuje. Runde? Runde. Jej! A, rigole pas, lui. Oh! Yeah! Ah! Allez! Yeah! Oh, je savais que le laser arrivait, quoi. Tiens! Ah, encore! Putain de laser! Comme dans les vrais matchs! Les chèques sont laser! Voilà, finito! Amazing! Amazing, les gars! C'est bon là, votre test de mes couilles? まさしく審議隊の均衡をよく整えし、重要の顔を。そなたならば資格は十分じゃ。こちらに合わすのがそなたに合わせたきお方である。Oh putain, c'est Higashi. Il s'est fait pousser les cheveux, c'est quoi cette coupe? Oh, Higashi! C'est quoi cette coupe? Yeah! Le nez du King of Iron Fist. Incroyable. Oh, j'ai eu des frissons. Many, many centuries ago, the Mishima style, a fighting style used to exterminate demons, was the source of conflict between two clans that were fighting each other to become the legitimate successor. After facing defeat, one clan devoted itself to the Buddhist teachings and withdrew from the world. That clan was known as the Tekken Monks. As decades turned into centuries, they continued their pursuit of martial arts in seclusion. The Tekken monks have but one vow: to master the ultimate technique lost to time and restore the Mishima style to its former purity. Ok, donc c'est Higashi qui va choper cette technique, je le sais. Ouais, bon, Higashi il est déglingué déjà tous sans l'entraînement supplémentaire. Hein, mais... En fait, je pense que les gens ils se rendent pas compte, ils sont en train de rendre Higashi plus fort. Mais c'est pas gentil, les gars. Il va servir de vous et vous laisser à sec. Incroyable. Le tigre blanc, les gars. Magnifique ce stage quand même. Hein. Monteco. Genmaji. Le stage là est payant, hein, malheureusement. Il est tellement beau, mais ils l'ont fait payant en dehors du pass, donc c'est quand même honteux. Je ne l'achèterai pas. Ah, ça va, Electric Wicked Fist.
Mishima. Frère Hayashi. Frère Tuck, ouais, vu la coiffure. C'est lui qui a sauvé la vie des Yashi. D'accord, comment il a fait? Ouais, il s'est fait balancer. Ah ouais, comme ça, in extremis, il a fait un dash à la Mega Man X et il l'a sauvé. Ok, c'est bon à savoir. Briseur d'étoiles. C'est dingue de voir Hayashi aussi humble. Vas-y, je suis chaud. On va enfin tester Yashi, c'est génial. Let's go. Ça va, Electrine with Code Fist. Fight. Oh, il me l'a fait avant. Ah, il est un peu différent que d'habitude. Ok, d'accord. On est un. Oh, ça c'est pas mal. Oh. Raté. Oh, yes. Est-ce qu'il y a toujours le... Ouais, il l'a toujours. Incroyable. Incroyable, il l'a toujours. Ouais, il est très sympa, Yashi. Vraiment différent de Tekken 7. Hein. Très différent, mais très sympa. Franchement, facile à prendre en main, honnêtement. Oh, oh, c'est son côté sombre qui parle à Yashi. Round 2. Round 2. Je suis chaud. Vas-y. Fight. Yo. Ok. Ah. Wow. Incroyable. Oh, trop stylé, trop stylé. Oh. Crack. Un petit gauche. Attention. Oh, il va me le refaire. Il va me le refaire, son putain de combo, il l'adore. Il l'adore, ce putain de combo. Il l'adore. Hey, toi aussi tu rigoles pas, mon gars. Hein. Ah, tu me fais chier avec ce coup. Non. Non. Voilà. Voilà, ça c'était beau. Ok, il est facile à prendre en main, vraiment. Très facile à prendre en main, j'adore. Qui? Ah bah oui. Oh, Lydia. Et quoi, tu salues pas Yoshimitsu? Tu le connais depuis plus longtemps? Quel ingrat. Tu lui fais même un compliment, Yoshimitsu. Heureusement, t'es pas rancunier. Ah bah oui, vu que Lydia a l'équilibre, c'est Lydia qui doit l'aider à trouver l'équilibre. Ah
Je serais pas aussi sûr que vous. Il a perdu la mémoire. Mais quand il va la retrouver, vous avez intérêt à courir. Il a perdu la mémoire. Czy to może mieć związek z jego utratą pamięci? I koniec. Przysięgi? Tout le monde perd la mémoire dans Tekken, c'est incroyable. Nina, maintenant Yashi. L'épreuve du briseur d'étoiles, mais qu'est-ce que c'est que ça? O velho Heihachi era mal encarnado. A amnésia dele é uma bênção. Heihachi dono na asno shiren wa norikoeru niwa kokoro no go no antei ga hissu. Mais oui, à juste titre. Ok, c'est le moment de combattre la version maléfique de Yashi, j'imagine qu'il va combattre Yashi, combat Yashi, ok, je m'en doutais, je le savais. Je l'avais dit. Damn, mais il a son costume de Tekken 7, hein, il est super beau. J'ai vraiment très envie d'acheter Yashi. Ok, let's go. On va se faire Electric Whip de Fist. Wow. Damn. Oh merde. Tiens. Shit. Voilà. Vous savez quoi, on va tester un peu. On va tester un peu les combos et les combos automatiques vont un peu plus loin. Très stylé. Oh oh, ça va passer. Ça va faire mal. Ok, c'est scripté, on va dire. Ça passe. C'était trop facile. Bah, ça sera trop facile. Voilà. Damn, ça brise la garde, c'est une incroyable puissance. Damn! Oh, raté. Voilà. Le coup de boule magique. Bah, elle est faite. ついに真の
Non, croyez-moi les gars, c'est pas une bonne nouvelle. Ne vous réjouissez pas. Ou alors il fait semblant. Non, il a pas fait semblant, il était dans sa tête. Lydia, demain le dernier gecko, on égaye. Incroyablement incroyable. Oh, j'adore, j'adore. Vraiment sympa ce petit DLC histoire et gratuit qui plus est. Hein. Ok, on va se battre. On va se battre. Il precisará controlar sua mente, corpo e técnica para superar esse treinamento final. Zobaczmy, na co cię stać. Było, to będzie sympa. Skarazuje ni kansha i to. Fight. Allez go, moi, je perds pas. Oh la saleté. Oh la saleté. La saleté. Voilà, ça passe. Je voulais le mettre au moins deux fois. Ah oui, genre ça me fait mal. Oh. Oh. Fight. Raté. Ah, je suis pas encore au point sur les wall hits. Encore ? Ah ouais, elle aussi du coup. Oh, oh. Fight. Ça pue. Ça va, il va être dur ce combat, je le sens. Ouais, il va être très dur. Elle a voilà la santé. Incroyable, yeah, mange-toi ça. Ça va être blanc. C'est blanc, c'est bon, ça passe. Ça passe crème. Oh. Ah non. Ah bah alors qu'il mange ça. Non. Oh, il perd. Oh. Tu vas me laisser tranquille. Ah! Laisse-moi te mettre un coup de boule. Oh. Oh, elle sort le vite la saloperie. Voilà! Ça y est, elle arrive l'étoile! Je crois que j'ai compris! Je crois que j'ai compris le délire! C'est Lydia l'étoile! Lydia représente l'étoile! Du coup, on a brisé l'étoile? On a brisé Lydia? Bon, ça, tout a l'air d'être bien! Ah non, c'est une vraie étoile, genre un météorite. Genre un météorite. Non.
Jean. Zanim zaczniesz, mogę cię prosić o przysługę? Czy po zakończeniu próby dołączysz do nas i staniesz do walki przeciwko Kazuo i Mishime? Ça s'est pas passé comme ça parce qu'il n'était pas là à la fin du niveau d'histoire. Oh oh, la simple mention de Gène du Diable lui a ramené la mémoire. Ah ouais, ok, ok. Damn, c'est super beau. Wow. Oh, d'accord. Là, le combat vient d'avoir lieu, là. Donc tout ce qui se passe maintenant, c'est après le mode histoire. Ah ouais, d'accord. Eh, c'est incroyable. C'est après le mode histoire, là. Cool. Oh putain, c'est Hiashi qui brise le météorite qui est tombé après le combat d'Uchi et Kazuya, c'est incroyable. Il va le faire, c'est Hiashi. Oh putain les gars, c'est trop bien. C'est incroyable. Il a mis un coup de poule au météorite, ça lui a ramené la mémoire. C'est trop bien. C'est trop incroyable. Et là du coup c'est le début du trailer. Ah oui. C'était pas le volcan. Tout est clair maintenant. Et ses cheveux ils se sont redressés parce qu'il a retrouvé la mémoire. Oh bordel, je vous l'avais dit. Qu'est-ce que je vous avais dit? C'était pas une bonne idée d'entraîner Hiashi encore plus. C'est pas possible. Non. Mais non. Oh doux Jésus, c'est pas possible. Incroyable. Dernier chapitre les gars, le King of Iron Fist est de retour. Bah oui. Oh oh. Sodo. Soshiji. Oh oh. Lija. Tudo bem? Tudo bem. Yes. Si si. Oh, il les a tous déglingués. Sans blague. Ah, trop Tekken 4, remix. Et merde. Eh oui. Ah, mais vous l'avez asticoté beaucoup trop. Vous êtes dans la merde, les gars. Mudada. Au revoir, Seryu. Oh putain. Oh là là là. Salut, les gars. Allez, tous dans le ravin. Comme
Aïe, les gars. Allez, go. Oh non, non, Yoshimitsu. T'es le premier à y passer. T'es le premier à y passer, mon gars. Je suis désolé, Yoshi. Oh, Yoshi, quand même, à ne pas prendre à la légère. Allez. Oh là là, il est encore plus fort. Là, c'est le Heihachi définitif. Hein. Là, c'est le définitif. Allez. Voilà, bye bye. Ok, en moins. Oh là là, sa blessure. Bam. Bye bye. Next. Aïe. Oh, j'y crois pas. Eddie, mon pauvre Eddie. Oh, mon pauvre Eddie. Oh, mon pauvre Eddie. Ah, toi, mon gars. Je vais pas me priver, ce gars. Allez, à Lydia, j'imagine. Non, ne sois pas trop dur envers toi-même. Ah ouais? Allez! Voilà, bye, désolé Eddie, hein, mais... Hein, bon. Oh, tu peux essayer, mais on sait très bien qu'on va lamentablement échouer. Ouais. Bah, oh là là, il l'a renvoyé au Brésil. Oh, doux Jésus. Aïe. Ah bon, attendez, je vais parce que mon enregistrement va faire une heure, je suis sur PS5, donc je reviens dans une seconde. Allez, c'est parti, Lydia. Ma grosse, je serai sans pitié, et je sais que toi aussi. Donc, allons-y. Ouah, elle est fort de ouf. Est-ce que ça suffira, ma petite Lydia? Rien n'est moins sûr. Ok, je comprends pas comment je dois vraiment bien follow-up. Oh, bien. Très beau. Ah, bah oui, elle va se remettre un peu de santé, la saloperie. Bien sûr. Vas-y, remets-toi de la santé, je me suis. Oh, putain, elle a tanké. Elle a tanké mon coup. Incroyable. Oh putain. Hey, je crois que son but là c'est de m'anéantir à la meuf. Ah, elle va m'anéantir. Voilà, on va jouer un peu maintenant nous aussi, hein. Qu'est-ce que t'en penses, Lydia?
n'importe quoi. Comment elle peut parer ce genre de coup? Je suis en plein vol, bordel. Ok, ok. Ok, Lydia. Voilà, reste à terre un peu. Oui, n'importe quoi. C'est bien ce que tu es. Bla bla bla. Voilà, voilà ce qui va se passer. 3 heures de speech, Lydia, depuis le début du DLC. Et tu te manges l'ultra des Yashi. Oh là là, toute l'histoire des Yashi. Et c'est le cimetière à la... dans Tekken 5. Oh là là, c'est incroyable. Bye. Sublime, les gars, sublime. Oh non, pas Yoshimitsu, il a rien fait. Apparaître un ami fidèle. Bon bah. Vous avez foutu la merde. Donc ça c'est le début de Tekken 9 les gars. Ah, dans 7 ans sur la PlayStation 6. Le sang démoniaque de Reina. En fait, c'était le prologue de Tekken 9, les gars. On vient de jouer le prologue. Damn. Ça, je vais l'ajouter à la chronologie, vous pouvez être sûr. D'où Jésus, c'était incroyable. Cool. Ah, c'était vraiment incroyable. Incroyable. Ouais, bon, bah ça va, je sais. Je sais. Oh, dis donc, regardez ça. Il y a des nouvelles cinématiques et tout. D'accord. Autre. Ah bah oui, ça c'est la vieille histoire de Tekken. D'accord, bah tout ça on connaît, hein. Tout ça je connais perso. Oh, c'est des résumés avec des nouveaux dessins en couleur de l'histoire de Tekken. Bordel de merde, pourquoi c'est pas sorti avant que je recommence à retravailler sur les... sur les chroniques? Les dessins sont trop stylés. Oh bordel. Cela dit, ben non, il n'y a pas d'autres dessins. Il y a des dessins, mais c'est que pour Tekken 2 par contre, hein. Oh, l'arnaque du siècle. Je viens de me faire arnaquer, les gars. Je viens de me faire arnaquer. Oh là là là, j'ai le seum. Oh, j'ai le seum de fou. Ouais, Léo retrouve son daron, et voilà, quoi. Ah, par contre, ça, c'est nouveau. Pour mon fils bien-aimé. Oh, ça, on va la lire. C'est une petite cinématique de June. Qu'est-ce qui s'est passé? Ça va se passer aussi après la fin du mode histoire? Et ça, c'est quand Jin débloque le pouvoir de Angélique. Ok. Ouais. Oui, dis donc. Ça, c'est nouveau. Donc c'était bien une projection astrale de June dans l'esprit de Jin. Ok, pouvoir angélique. Ok. D'accord, donc être entré en contact avec Jin, ça va la réveiller, je le savais.
Donc c'est bel et bien Jun vivante qui va voir Kazuya à la fin quand il est éclaté au sol. Oh, ça va, ils sont en vie, c'est déjà ça. Damn, ça c'est cool ça. Incroyable. Et bon ben voilà les gars, c'est la fin du DLC histoire de Tekken 8. C'est très cool. Je vous dis à très bientôt pour la partie 4 de la chronologie Tekken. Hein, j'ai bientôt fini le montage de la chronologie de Tekken 4. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures tekkenesques. Des bisous.